Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite à propos de la deuxième étoile secrète de la saison 10, donc pour la semaine 2. Alors quand vous aurez débloqué l'écran de chargement bataille ou crépuscule, donc des défis de l'événement, eh bien vous allez débloquer cet écran de chargement. Et sur cet écran de chargement, il y a un petit indice qui indique que l'étoile de secrète se trouve près d'une fourchette et un couteau. Donc là, vous pouvez voir que la fourchette et le couteau se trouvent juste en dessous de moi. Alors cependant, je ne saurais pas vous dire l'emplacement exact parce qu'il y a plusieurs tâches ici. Donc moi, ce que je pense, c'est qu'elle apparaîtra en plein milieu, donc juste ici sur cette tâche. Mais elle peut très bien apparaître sur cette tâche-là ou alors sur cette tâche-là. Ou peut-être sur celle-là, ou alors encore sur celle-là. Parce qu'il y a 5 tâches et les étoiles secrètes apparaissent obligatoirement sur des petites tâches comme ceci. Bon, alors pourquoi, je ne sais pas, mais en tous les cas, c'est le cas. Et je ne sais pas pourquoi, donc je ne saurais pas vous dire dans quelle tâche elle va apparaître. Alors, il faut savoir aussi que les défis de la brute, quand vous débloquez l'écran de chargement, vous ne pouvez pas récupérer l'étoile secrète qui se trouvait en D2 et C2. C3 et D3 je pense. Non, c'était E. Voilà, c'était ici en fait, voilà. E2, E3 et D2, D3. Alors pourquoi vous pouvez pas la récupérer? Parce que tout simplement le défi, donc l'étoile secrète est complètement buggée. Il y a personne, apparemment personne. Enfin, il y a des personnes qui arrivent, qui disent ouais, j'ai réussi à l'avoir, mais est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. Mais en tous les cas, c'est sûr et certain, l'étoile est buggée. Donc logiquement, le truc sera réparé pour la prochaine mise à jour qui sera la semaine prochaine. Donc ça veut dire que celle-ci sera aussi buggée. Donc celle de cette semaine, donc de la bataille au crépuscule, sera sûrement buggée aussi. Vous ne pourrez pas la récupérer. Donc ça sert à rien d'aller la chercher si vous n'avez déjà toujours pas débloqué l'écran de chargement. Et il y a un deuxième point d'interrogation que je me pose, c'est est-ce qu'il faut finir tous les défis de l'événement pour pouvoir récupérer cette étoile ou est-ce qu'il faut juste finir débloquer l'écran de chargement? Logiquement, il faut juste débloquer l'écran de chargement pour pouvoir récupérer cette étoile, mais peut-être qu'ils ont changé quelques paramètres, je ne sais pas. En tous les cas, s'il faudrait finir tous les défis, je pense que ce serait quand même un petit peu abusé parce que on doit attendre le dernier jour, donc si on n'est pas là mardi ou genre mercredi, ben on pourra pas le faire, donc c'est assez compliqué. Enfin bref, voilà qui termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. N'oubliez pas mon petit code créateur sur CoolMakeYTV dans la boutique de Fortnite si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoikulMake et ciao, peace. I'm make, bro. I'm make, bro. I'm make, bro.